Bon, je pense que c'est un match capital et c'est sûr que voilà, on a fait un premier match assez difficile. Et Dieu merci, on a pu avoir un match nul. Donc on a l'occasion ici de monter notre visage et cette équipe de la Côte d'Ivoire et surtout de pouvoir prétendre à une qualification. Si on gagne ce match, je pense qu'on fera un grand pas. Mais ça va être un match très difficile parce qu'on va jouer contre une très belle équipe du Mali. On n'a plus le droit de voir, comme on peut le dire. Parce qu'on est obligé de gagner sur les autres matchs pour se relancer dans la compétition. Et donc, parce qu'on a donné cette victoire aussi pour avoir un bon coup de moral, je pense que tout se passera bien. Si tout le monde se donne en fonction de ce match. Je pense que tout est encore déterminé pour le prochain match. On attend demain pour prouver tout ce qu'on a. C'est un match très important. Vu que le premier match a été très difficile, voilà. Donc nous sommes motivés, nous sommes concentrés. Nous espérons faire un bon résultat par la grâce de Dieu. Voilà. Le premier tour, c'était un tour pour rien quasiment, puisque les quatre équipes sont à un point. Donc le second tour va être déterminant pour la suite de la compétition. Je crois que les joueurs sont concernés et puis ils savent qu'ils doivent faire un gros match, un match plein pour pouvoir remporter ce match et avoir les 3 points. Qui va nous permettre de nous projeter de façon optimiste et positive pour le dernier match. Donc une victoire sinon rien, quoi. Match contre le Mali qui ne va pas être facile puisque ils ont des atouts, c'est une équipe qui a l'habitude d'aller loin dans cette compétition. Donc il va falloir respecter cet adversaire, mais il va falloir nous lâcher et jouer à l'ivoirienne avec beaucoup plus de plaisir, de joie, et je pense qu'on rentrera demain soir avec un résultat positif. Écoute, on est plein d'espoir, c'est bien préparé, on a bien réfléchi après le premier match. J'espère que tout ce qu'on s'est dit sera mis en exergue et à ce moment-là, tout se passera bien. Et il va falloir se battre et je crois qu'on est prêt à ça.